Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo en PVP encore une fois avec Terry. Vidéo Team Nuke totalement broken. Insane, vraiment cette team les gars elle est incroyable, tu verras dans la vidéo. Donc combo Kyo Zeldris Fest, ça tu connais hein, vu que Zeldris Fest augmente les stats de base en fonction des debuffs sur les adversaires. Très très broken. Après Kyo, hein, tu connais, hein, j'ai pas présenté le personnage totalement cheaté. Gozer est là pour gérer le terrain avec son skill 2. Et aussi augmenter les stats liés à l'attaque et les PV de toute la team. Terry, incroyable dans cette team. Tu verras dans la game, je vais t'expliquer. Passif totalement cheaté. Passif qui diminue les toutes les stats de 20% sur le mec qui a le plus d'HP. En plus, tu peux pas cleanse. Y a un counter. Il peut enlever les jauges. Ça s'appelle one shot. Sa relique aussi est cheatée. Enfin bref, le personnage est totalement broken. Donc on fight un The One. Zone Margaret, let's go. Donc là, play classique, est-ce que c'est un vrai mec ou un bot? D'ailleurs, il y a une règle en PP no stuff, c'est qu'il n'y a pas de SA. Ok, c'est un bot. Alors, on va jouer comment? On va jouer comme ça, let's go. Donc là, tu mets la carte de Gozer. T1, let's go, boom. Là, on vide la main, bon, 21 000 avec une level 1. 120% le multiplicateur. Ok. Intéressant. Il va faire quoi le mec? Il va taper avec son The One sur Kyo dans la logique, non? Ok, non, il tape mon Terry. Ok. Ok, mec. Hop, toi tu dégages. Merci d'être passé. Non, non, que le level 3, tu tues avec Kyo. Allez, hein. Allez, hein. Juste allez, les gars. Allez, allez. On va faire ça. Ouais, n'importe quoi. Franchement, la team elle est trop cheatée. Hein. La team c'est n'importe quoi, les gars. Hein. MDR, hein, vraiment PTDR la team. Attention. Hein. Attention. Hein. Bah, le mec littéralement on l'a lavé. Hein. Genre, on a eu les skills level 3. On a commencé en premier. On va dire le seul défaut de la team c'est que si tu commences en deuxième, tu peux perdre quoi. Parce que bah, si le mec a de la luck, T1, bah GG un next. Hein. C'est relou quoi. Let's go. Après tout, c'est quoi, j'ai pas beaucoup de CP. En vrai, si t'as un Gozer monté de ouf, un Zeldris monté de ouf, en vrai, t'as tellement de CP que tu commences en premier quoi. Ok, team ban. Ban le perso qu'on voit tous les jours. Loul. Ok, level 2. C'est un vrai mec en plus, les gars. Go le taper. Golden Jauge, let's go. Ok, 18 000. Bon, par contre, la team ban, ce qui est chiant, c'est que tu peux perdre trop facilement parce que, bah, ban, hein, vous connaissez, il peut avoir de la luck sur la main et littéralement te one shot. Donc, en vrai, ça, malheureusement, c'est indépendant de ma volonté, hein, vous savez, les gars. Mais sinon, en vrai, le match, normalement, t'es censé le gagner tranquillement. Hein. En difficulté en tout cas. Là en vrai on va jouer comment? On va juste jouer comme ça en vrai les gars. On va ultrush. En vrai, what c'est quoi on veut ultrush? J'ai déjà une connerie en vrai. Laissez tomber les gars. Laissez tomber les boys. Ok, il va ultrush son ban. Fusion. Level 2. Ah ouais, c'est impossible. Level 2. En vrai, je peux prendre très très cher. Hein. Ça va en vrai. Bah, t'en as plus de dégâts. Après, j'ai la réduction, j'ai les stats de base. Bah, il prend cher. Hein. Enfin, après, tout c'est Gozer, j'ai pas de skin quoi. Du coup, ça aide pas forcément. Hein. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va one shot. GG, on a été meilleur. On va faire. Tu sais quoi, attends, je vais taper juste avant avec la O2Q pour ce régène.
J'ai pas enlevé les jauges parce que normalement on est censé tuer. On fait trop de dégâts en fait. Et en plus là je réduis les stats de 20% de ban. Allez hein. Le jeu est stupide. Le jeu, pas besoin de réfléchir. Ah c'est grave hein. En vrai franchement le jeu il est éclaté au sous-sol actuellement. Les métas c'est de la merde hein. En fait les métas c'est soit c'est ban purgatoire hein, ou soit c'est des teams Kyo en fait avec des persos collab ou des persos fesses dans les teams. Voilà, ou soit c'est team là qui se balade, qui est éclatant en plus. Bah maintenant elle est éclatante en tout cas. Ah voilà, t'es quand même forte en vrai. Bah là en vrai encore gain de The One hein. On gagne la réduction de The One, donc là il y a rien du tout. Hop, moins 20 000 HP. Enfin bref, hein, c'est trop fort le passif de Terry. Je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo, mais en gros ça met un debuff qui réduit toutes les stats hein, sur l'ennemi qui a le plus d'HP. Donc là en l'occurrence c'était The One. Boum. On met le la provoque level 2. Ça va faire très très mal hein. Pff, allez. Allez frérot hein. GG hein, abandonne hein. Enfin c'est un bot donc en vrai il va pas abandonner, mais abandonner mais t'as capté quoi. En vrai The One il va voler son Namek hein. Direct son Namek. Ok. Allez simple hein. Margaret aussi c'est ton tour. Pff, mauvais type 40 000 hein, genre tout va bien. Oh Gozer gros, direct son Namek, c'est free to play. Voilà, hop. Ah c'est marrant hein, putain. Franchement c'est... je m'amuse. GG well played. On va faire ça. Et ça on va un go tuer notre amie Margaret hein. Boum on bloque, le mec il peut plus jouer, il peut plus rank up. Ok d'accord. TTR. Ok d'accord. D'accord. Y a peut-être un problème, hein. Vraiment, il y a peut-être un problème, les gars. Hein. Il va mettre un shield de bot. Hein. Ok. Ok, ok, why not. Ah, chaud, ça me fume, hein. Vraiment, les larmes, hein. Les gigalarmes. Hein. Ok. Donc là, on va bloquer gentiment, on va ult rush. Let's go. Tu sais quoi, on va taper avant, quand même. Soit pour mettre le debuff. Hein. C'est pour pas mettre des skills level 2, etc. Tu connais. Okay. Let's go, on bloque. Pas de stun, pas de shield. Bah rien du tout, en fait, hein, tout simplement. Donc là, le The One, immunité, bon, on s'en fout un peu, honnêtement. En vrai, non, mon Kyo, par contre, il peut voler. Hein. Je dis bien, on s'en fout un peu, mais non, hein, genre... Je savais qu'il y avait l'immunité de The One. My bad. My bad. My bot, pardon. Donc là, en vrai, on va jouer comme ça et GG. Hein. Hop. On rajoute deux Ignite. Enfin, deux debuff, pardon. Let's go. Boum. 300. 32 000. Oh no stuff, sans ça. Ouais. Bon délire, hein, vraiment très bon délire, les gars. Je reviens, on fait des comptes PVP supplémentaires. En fait, le truc qui est cheaté dans cette team, c'est que, admettons, le mec a envie de t'enlever des jauges sur ton Terry. Et que toi, t'es en counter. Admettons, t'es en counter level 2. Bah, le mec, il se prend littéralement une patate, il vole son Namek. Enfin, c'est n'importe quoi, limite. T'as peur d'enlever une jauge. C'est terrible, en fait. T'as peur d'enlever une jauge. C'est bizarre, hein. Lips, ok, Guild Whale. Je sais pas si c'est un bot ou un vrai mec. Ok, Team Emilia. Vrai mec. Item, item SP, parce que tu peux pas avoir deux jauges sans item. Vu qu'il n'y a pas Merlin en sub. Alright. Ok. Ok, ok. Let's go. Ah, il va ultra rush, hein, je pense, le mec. Hein. 23 000. Ok. Intéressant. Je sais pas, il va faire quoi en vrai. Est-ce qu'il va full ultra rush?
Ouais, je me demande ce qu'il va faire dans la game. Déjà, il est bloqué avec son Gozer, ça c'est normal, hein, Gozer. Ok. Il y avait Ultrush, a priori. Après, Ultrush Gozer Fest, je pense que c'est pas la bonne idée, hein. Enfin, je pense. En vrai, j'ai le. Je sais pas, hein, fais-toi plaisir, frérot. Enfin, le truc, c'est que là, on va mettre trop d'Ignite. Hein, et ça va me carry de ouf, tu verras. Tu verras, tu verras. Ok. Là, on va prendre cher. Let's go. Il va geler quelqu'un. Ok. En vrai, honnêtement, ça me va, les gars. Ça me va, ça me va. On va jouer comment? C'est compliqué, comment on va jouer. Complicado, hein, quand même. Hein. Là, en vrai, je vais déjà mettre mon skill ici. Oula. Oh, les dégâts, frérot, attention. Hein. Ok. Le mec en sup. Ok. En vrai, par contre, la main est vraiment good. Hein. Tout dépend de ce qu'il fait. Game block. Il y a deux gels. Oh, il y a deux gels, frérot. Je pleure. Hein. Deux gels, ça me mettrait vraiment dans la merde. Après, c'est une team tellement toxique, la team Emilia. Emilia Gozerfest. Ça joue trop sur de la RNG. Le mec, il peut avoir deux gels et gagner sur ça. Tu vois. Il y a qu'un gel, du coup. Il va geler qui, ça m'intéresse. Gozer, ok. Hein? C'est si bon, le goût. Hein? Il fait quoi, gros? Putain, mais le mec, il s'est perdu. Genre, le mec, il était à côté de la plaque, hein. C'est quoi, on va faire un dernier combat, en vrai? Je kiffe cette team. Ok, let's go. Let's go, let's go. Dernier combat de cette vidéo. Mais ouais, cette team est totalement broken. En vrai, moi, le truc qui est marrant, c'est que ma team est pas montée à fond. C'est-à-dire que Gozerfest, Spain, pas de skin. Kyo, full skin, par contre, mais Spain. En vrai, Kyo, tu t'en fous d'avoir des spés supplémentaires. Ok, Terry, Ban. Bonne team, ça, vraiment très très bonne team. On peut perdre bêtement, en fait, hein, tout simplement. Bah, debuff Ban, normalement, dans la logique. C'est un bot. Hein. Ok. Enlever une jauge sur Ban. Parce que Ban est beaucoup trop chiant. Ban, le truc, c'est qu'il fait trop de dégâts. Genre. En fait, s'il peut te. S'il te ultrush, t'es dans la merde toute la game. En fait, ta game peut être perdue à cause d'un ultrush. Quoi, c'est pour ça que je dis toute la game. Ok. Intéressant. Donc là, le bot va. Enfin, le bot. Hein. Le debuff allait sur Ban ou. Ouais, Terry, je le savais. Let's go. Donc là, en vrai, on va juste ultra, je pense. On va bouger notre ami Gozer. Let's go. Let's go, let's go. Let's fucking go. Donc là, Terry debuff. Ban. Ok, Ban qui va me rendre ouf aussi. Attends, il y a quand même une stance. Une stance de Arthur. Ok, non, ça va. Let's go, du coup. On est bien. Là, en vrai, on va juste taper gentiment. Faire ça. 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 Faut mettre les ignites. Tu vois les dégâts? Ok, normal. Bon, team ban, les gars. Ça tank. Ouf, ok. Let's go. Tac. Fusion ban, par contre, ça, j'aime pas trop. Ça me fait peur. En fait, le truc, c'est que là, comme je t'ai dit, on peut perdre parce qu'on n'a pas de luck. Là, si le bot me rush l'aspect ban, c'est limite lose. Après, là, on réduit les stats de ban. Prochain tour, normalement, on réduit plus. Vu que c'est Twigo qui prendra la place dans la logique, bien évidemment. Gozer saute. Perd beaucoup de DPS. Bon, c'est pas grave. Pas non plus dramatique. Ok, on se prend une AO ici. D'accord, en fait on a encore notre Q, donc en vrai ça va, tu vois. Level 2 par contre elle va piquer. Ça va. Bon, réduction, hein, du coup ça carry. Là en fait ce qui est intéressant, ça serait bien d'avoir des cartes de Terry. Ok, let's go. Si on a lose en fait. Hein.
On a plus Gozer, on va perdre beaucoup de dégâts. Le debuff est allé sur ban, c'est cool. Et boost d'HP, je me fais pas attaquer dans ce tour, a priori. Ouh, les dégâts. Y'a plus Gozer, hein. Y'a plus Gozer, les gars. Bah là, on va mettre une spé gentiment, les gars. Fais voir les stats. Donc là, y'a un debuff de Zeldris. Ouais, bah, GG, hein. Là, ça fera mal avec les Ignite. Dans la logique. Let's go taper comme ça. Je sais pas si on tue, en fait, en vrai. Trop dit en face. Et on tue. Ah, mais y'a deux... j'aurais dû mettre là-haut, en fait. Ah, mais y'a les reliques... Oh, putain. Oh là là, el famoso relique. Hein. Ah, la relique. La relique, Arthur, relique, Twigo. Ouais, c'est parce qu'on a perdu Gozer, hein, c'est tout. Hein. On a loose du coup. Bon, c'est pas grave, les gars. Le truc, c'est que mon Gozer serait full skin, je serais trop bien dans la game. Ouais, il a fait rupture et tout, bon, c'est pas grave. Après, la team ban, hein. La team ban, hein. Meilleur team du jeu, donc en vrai... lol, hein. Team ban, hein, de toute façon. Y'a plus de secret sur cette team, malheureusement. Ah ouais, j'aurais dû focus... focus ban. Le truc, c'est qu'en fait, les deux personnages sont broken. Terry, ban. Enfin bref, c'est la team Shitek, ban, hein, tu connais. Sinon, ouais, vidéo incroyable. Gros DPS avec cette team. Enfin, c'est n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Voilà, merci d'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant. Et des nouvelles vidéos, des bisous. Bonne journée. Tchou!